Et bienvenue à vous, et bienvenue à vous, et bienvenue à vous. Bienvenue à vous, Europe, bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny Joski. Je suis Master. Kenny, il est devant, on est au parc. Il est bientôt 8h du mat. Je me suis réveillé à 6h et je vous ai dit pourquoi je fais ça. On part 3 jours. On va aller voir Joseph de la méthode Gun et on va faire son stage. La méthode Gun pour Kenny Lewski. Kenny Lewski adopte la méthode Gun. On va rééduquer Kenny avec Joseph. Enfin, Joseph va me rééduquer moi. Et Dexy va s'occuper de rééduquer Kenny. Regardez, il est derrière là, c'est des attardés. Dexy, c'est l'une des chiennes de Joseph, évidemment. Depuis le début de la chaîne, on me dit ouais, vas-y, fais la méthode Gun, tu serais trop stylé. Ça va être le cas. Et franchement, les gars, ceux qui n'avaient pas deviné, vous êtes vraiment des brels. Il y a quelques mois, je vous rappelle que j'ai reçu le collier de la méthode Gun. Rien que ça, c'est un indice de fou. Donc, Kenny a le collier bleu, blanc, rouge de la méthode Gun. Moi, j'ai mon écharpe bleu, blanc, rouge. On est dans le thème. Je serai aussi accompagné de la fille aux cheveux rouges, Clotilde. Donc, là, pourquoi on est au parc aussi tôt? Bah, en fait, on doit arriver à 11h à l'hôtel où on doit débarquer. C'est à 2h de chez moi, un peu plus de 2h. Et si on est au parc, c'est tout simplement parce que Kenny est malade en voiture, je vous le rappelle. Quand il est excité, les voyages en voiture, c'est un calvaire. Du coup, on le dépense un peu au parc avant de partir, vraiment le vrai trajet. Ce n'est évidemment pas l'unique vidéo par rapport à la méthode Gun ou par rapport à mon séjour là-bas. Qu'est-ce que tu. Je vais faire plusieurs vlogs de ce séjour qu'on va faire. Je pense que un vlog correspondra à une journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que ça va être vraiment cool. Ouh, on est arrivé à la Master Mobile. Ok, on se retrouve sur l'aire d'autoroute. On a fait, je dirais, on a fait combien de kilomètres là, à peu près? On a fait 100 km en voiture. J'ai un mal de huc, les gars. Bon, je vous dis tout à l'heure pour l'hôtel. Ok, on est bien arrivé à l'hôtel. C'est super cool. C'est un hôtel 3 étoiles. Il y a un parc à côté. Il a l'air archi cool. Je vais promener Kenny. Je vais vous faire des vidéos là-bas aussi. C'est sympa. On a fait 4 heures de trajet alors que ça devait se dérouler en 2 heures, un peu plus de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. Le délire, c'est que les bouchons parisiens, bah quand ils sont là pour te boucher le cul. Ah bah ils rigolent pas, hein, ils t'ont chier. Clotilde est en train de promener Kenny là, elle est en train de le promener au parc. Elle va kiffer, ça va dégourdir un peu Kenny, ça va la dégourdir aussi parce que je pense que 4 heures dans la voiture c'est pas cool. Donc je vais aller la rejoindre et après je vais directement aller voir Joseph pour débuter le stage. Et je vous assure que ça va être du très très sale. Ok, ma mission ça va être de retrouver la fille aux cheveux rouges, Clotilde là. Franchement c'est beau ciel bleu pour notre arrivée. Ah, elle est où cette conne? Ouais, on visitera ça plus tard, aujourd'hui c'est pas trop... Enfin peut-être ce soir on ira visiter, je sais pas. Mais putain, il y a un putain de ciel bleu, je sais pas si vous voyez les gars, mais... Un petit séjour ici, pas piqué des hannetons. Non, on a un délire, c'est que vu qu'on est des banlieusards de parisiens, on n'est pas des purs parigots, le délire c'est que c'est qu'on sait que si on va en campagne, on peut dire bonjour aux gens, ils vont pas te lâcher un... Voilà. Hey, tu fais quoi là? D'où tu me parles? Kenny, il a l'air super content. Ouais. Bon, Joseph a dit que je devais débarquer tranquillement, tu vois, détendu. Oh, délire! Il y a nos ombres derrière Kenny. Regardez. Ah merde, ça c'est mon vrai doigt. Ok les gars, regardez juste le décor de Noël, juste incroyable. Et devinez avec qui je suis. Bienvenue, Joseph. Bienvenue à la méthode Gun, c'est un plaisir. Là on va changer la donne, hein. Ouais. Tu vas changer la donne. Là je suis prêt à tout changer. C'est fini les croyeurs s'amusent, hein. Du coup je vais vous faire vite fait un petit tour. Désolé, il y a Kenny qui est attaché, il gueule un peu parce qu'il est frustré. Du coup je vais vous montrer un peu le décor de Mala. Parce que moi j'avais pas vu encore le nouveau décor de la méthode Gun. Et c'est juste génial, c'est un décor de Noël. Regardez-moi ça, il a construit ça. Un bar, une télé, une cafetière, une chaudière, je sais plus comment ça s'appelle, ça, un truc qu'on trouve dans les bars et tout, c'est juste génial. C'est Noël avant l'heure, c'est génial, c'est juste incroyable. Et encore là, c'est juste l'espace de travail, mais si je vous montrais l'autre espace... Ce sera juste dingue, désolé, il y a du vent, je sais pas comment le micro il va réagir par rapport à ça, mais regardez-moi ça, c'est juste énormissime. Et pendant 3 jours avec Joseph et Kenny, on va travailler, on va rééduquer Kenny, on va me rééduquer moi parce qu'il m'a confirmé que je faisais de la merde. Donc je vous dis à tout à l'heure, je sais pas ce que je vais faire pour l'instant, mais on va commencer à travailler avec Kenny et Joseph. Et je vous dis à tout à l'heure, à la lumière c'est mieux, à tout de suite. Je suis un peu stressé, parce que, mais je suis aussi très impatient, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer quoi. Docteur! C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la méthode Gun, c'est parce que tout simplement, mais avant de découvrir ta chaîne, j'ai jamais vu un putain d'article ou une putain de vidéo autre que sur ta chaîne qui parlait que d'une chaîne thérapeute comme Dexy, d'une méthode même sans friandise. Parce que c'est juste incroyable quand tu veux chercher à éduquer ton chien sur internet, la friandise, t'as l'impression que c'est Dieu en bouffe quoi, genre tu peux pas faire mieux. Le problème c'est que je l'ai trop habitué à la friandise. Et non seulement il obéissait mal à la friandise, mais alors si il y avait 100 friandises, c'était encore pire. C'est-à-dire que vraiment j'avais cassé toutes mes chances quoi. Vraiment là je le sens vraiment beaucoup plus attentionné envers moi que quand je lui donne de la nourriture.
Parce que quand je lui donne de l'aide des friandises, j'ai juste l'impression d'être son dispenseur. Bah tu pues la passion. Carrément, genre ça émane de toi. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait un super beau soleil, c'était juste ta passion qui éclaircissait le ciel. Putain, quand je vais raconter ça à ma famille, ils vont plus jamais me croire. Hein. Fais quoi, t'as lâché Kenny, c'est pas possible. Là depuis tout à l'heure ça laisse, elle est par terre, enfin son collier ça laisse là. Ah il s'allonge carrément. Parce que je sais que mon chien il est pas malheureux quand il est en laisse, mais je sais qu'il pourrait être beaucoup plus heureux sans laisse comme maintenant quoi. Putain que je suis content d'être venu. Vraiment quoi, et c'est que le premier jour. Premier jour de la méthode Gun Fini, il est 17h. Et si vous remarquez un truc qui a beaucoup changé par rapport à quand je suis arrivé ici, Kenny il est là. J'ai rien dans les mains. Il est sans son collier et sans laisse. Pour ceux qui connaissent Kenny depuis super longtemps, vous savez très bien que là, ce qu'il est en train de faire là, ne pas se barrer donc, c'est délire, c'est génial. Putain, waouh. C'est une journée riche en émotions, riche en expériences. J'ai appris beaucoup de choses. Kenny a appris beaucoup de choses. Regardez, il est toujours là. Hein. Il s'est pas barré. Hein. Il aurait très bien pu. Mais franchement, regardez tout autour quoi. Comment il fait pour ne pas se barrer? Même moi, j'aurais envie de courir comme ça, tu vois. Mais je le fais pas. Allez, reviens. Oh, c'est génial. Putain. Mais là, j'ai même plus l'anxiété de qu'il fasse une connerie ou qu'il se barre. Est-ce qu'il va revenir? Là, j'ai fait un tour complet. Hein. Putain, mais c'est génial. Mais moi, je réalise toujours pas, Joseph. Regardez les deux héros, là. Des génies. Le lien de la chaîne de Joseph, la Gundog TV, là, c'est en description. Allez y jeter un oeil, franchement. J'ai maté beaucoup des vidéos et je vous conseille de faire pareil. Et vraiment, ce que j'ai vu en vidéo, Joseph, là, c'est vraiment un autre truc quand tu le vis en vrai. N'hésitez pas à vous abonner. Là, clairement. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, je vous le conseille fortement. Regardez là, il est là. Mais je l'ai pas appelé. Sans friandise, hein, c'est une méthode naturelle adaptée à chaque personnalité de l'animal. Et bien sûr, assisté de la chaîne spécialisée, le programme est véritablement complet. N'attendez surtout pas d'avoir des problèmes pour éduquer votre chien. Dès 2 mois et demi, 3 mois, les propriétaires peuvent tout naturellement adopter la méthode Gun. Je mettrai tous les liens en description pour vous faciliter un peu plus la tâche. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez à quel point j'ai galéré pour que Kenny reste dans une zone précise, qu'il reste pas loin de moi, qu'il évite de se barrer. Là, j'ai passé 4 heures avec Joseph et Dexy. Mais regardez, il est toujours là. Regardez, il s'assoit même à côté de moi. Il va voir les chefs, mais il casse même pas le portail. Alors qu'avant, il aurait démonté le portail, il aurait sauté sur le portail. Petite image, non? Raté, tant pis. Regardez-moi ça, Dexy. La championne. Hein, Dexy? La décoration, elle est là justement parce que je veux que le Père Noël vienne. Ah ouais, bah, il est déjà là, regardez, il est où? Il est juste là, le Père Noël. C'est dingue parce que vous le savez que Kenny, dehors, en général, il obéit pas à tout ce qui est assis, couché. Bah, Joseph, qui est juste là, c'est un magicien parce qu'il l'a fait devant moi, mais avec une facilité déconcertante. Ah, ok. Oui, bravo. D'habitude, il se couche jamais en extérieur. Lâche, lâche. Oui, bravo, lâche. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais... Ok, c'est son chien maintenant, c'est plus le mien. Mais c'est vraiment incroyable. Joseph va me filer des extraits de ce qu'on a tourné tout à l'heure. Vous aurez un aperçu de sa vidéo. Mais ouais, franchement, c'est que le premier jour. C'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est que le début. Encore demain et après-demain et... Putain, c'est... Franchement, Kenny, il est toujours là, là. C'est dingue. Et c'est ouvert, hein. Vous avez pu voir que... Concrètement, on n'est pas juste enfermé dans le petit décor de la méthode Gun, hein. C'est vraiment tout ouvert juste autour, et c'est juste une fine barrière, genre la barrière qui est là, concrètement, pour lui c'est pas un souci. Alors regardez, franchement, je suis même pas sûr qu'on le voit bien à la caméra tellement c'est fin, tu vois. Tu as été à la tour Eiffel de la campagne, tu l'as remonté. Ah oui, la tour Eiffel de la campagne, parce que je vous ai pas entièrement montré le décor. Joseph, il s'est fait plaisir pour le décor. Et vraiment, on a une vue de dessus, je sais pas où il est Kenny, mais il va débarquer à un moment ou à un autre. Oh putain, il est déjà là. On a 1h30 de la région parisienne. On a 1h30 de la région parisienne. Bon, moi j'ai mis 4 heures, mais ça c'est à cause des embouteillages, parce que c'est toujours la région parisienne. Ça va Kenny? J'ai vu que t'avais des poules, des canards, un coq je crois aussi. Alors on a 2 coqs, on a des poules, on a des canetons, des canards, on a la dinde, on a aussi 2 chèvres là-bas, on a un chat. Putain la vache. Et puis 3 chiens. Ouais bah Dexy, Gun et Gunny. Et moi ça m'étonne que Kenny... Vraiment, il se déconcentre de eux parce que j'ai déjà croisé plein d'animaux avec Kenny et c'est juste une horreur. Je savais qu'il allait changer, mais vraiment, on a travaillé que 3-4 heures et il a changé limite du tout au tout. Ce qu'il faut, c'est te donner la recette, la vraie recette qui correspond justement à la personnalité de ton animal. Non, mais voilà, c'est la fin de ce premier jour, le soleil se couche. Je suis venu ici pour repartir de zéro avec Kenny. On allait aller encore plus loin que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, quoi. On va se retrouver tout à l'heure, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être rentrer à l'hôtel, déjà, ce serait pas mal. On est de retour à l'hôtel. Bon, là, je suis totalement crevé, je vous rappelle que j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes et que c'est pas les mêmes pattes que lui, là. Putain, t'es où? Ah, t'es là, presque. Ok, on fait un petit room tour vite fait. Alors, on va commencer par le début, l'entrée, t'as vu? Un placard. Ah ouais, toi, tu t'es mis bien, t'as déjà mis toutes tes affaires là, genre. Ah ouais, tu crois.
Enfin, t'as mis tes deux vestes, quoi. Le miroir du vlogging style. Ici, la salle de bain de type baignoire. Mais non, je déconne, c'est une douche. Oh putain, non, non, qu'il rentre pas là-dedans. Je te connais. La salle de bain, tranquillement, on est là. Attends, j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous. Bah, rien. Du coup, ici, il y a la télé, un bureau porte-à-café, une énorme fenêtre, un lit, une peinture. Ça me rappelle les cours. Super. Waouh! Une clim et un bouchon. Tu sais, le truc où il y a de l'air. Du coup, voilà, j'ai calé le lit de Kenny ici, comme ça on est tranquille. Joseph va nous chercher, on va aller manger un petit couscous en ville. Franchement, je vous cache pas, quand je suis revenu, je savais même pas que j'avais un chien dans le coffre. Putain, je peux vous dire que quand je vais rentrer chez moi, mon père, ma mère, ma soeur, je vais tellement les faire chier pour qu'ils obéissent à la méthode Gun eux aussi. Ok, les gars, on se retrouve en ville. Je suis toujours avec Joseph, ici présent, qui nous a gentiment amené. Et avec la fille aux cheveux rouges à côté, Clotilde. Du coup, là, on va manger un petit couscous dans un resto que Joseph connaît. Parce que je vous cache pas qu'on a bien la dalle. Les amis, regardez juste ce que moi et Joseph, on a reçu. Attends, un couscous. Le couscous royal. Ah, le couscous royal qui arrive en plus. Moi, c'est poulet merguez. Toi, c'est pareil. Pareil aussi. Toi, c'était quoi? C'était le royal. Royal. Oui, ok. On est vraiment pas prêts. Attention. Oh là là, mais regardez-moi juste tous. Qu'est-ce qu'on va se mettre très très bien là. Quoi de mieux qu'après une journée de travail, Joseph? Eh ouais. C'est juste génial. Ok, alors je vais parler doucement parce qu'il est un peu genre minuit et demi, 1h du mat et qu'à l'hôtel je vais éviter de réveiller tout le monde. C'est la fin de ce premier vlog. N'hésitez pas à aller checker vraiment la vidéo que j'ai fait avec Yun. Le lien est en description, je vous mets la notation en haut à droite de votre écran. Je me suis blindé le bide comme un bâtard. Ah bah là c'est ma vacances, là je suis en mode nique la diète hein. Ok, alors désolé aussi d'avoir pas été en forme pour cette vidéo. Mais vous savez que j'ai dormi 3 heures, un gros trajet de 4 heures de voiture. En tout cas voilà les amis, nous je vais faire une bonne petite nuit. Demain matin on se retrouve pour le petit déj pour le jour 2. Mais voilà, demain c'est le deuxième jour à l'hôtel. Deuxième jour, demain matin on a du temps libre. Du coup on va sûrement aller au parc à côté avec Kenny. Et l'après-midi on va faire le deuxième jour de la méthode Gun. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Gundog TV. Parce que ne regardez pas seulement la vidéo avec Kenny, mais regardez vraiment plein d'autres vidéos, c'est juste incroyable. Le nombre de cas qu'il a pu sauver, régler, enfin réparer, tout ce que tu veux. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, cette fiche en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. En tout cas les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. This weather, but we can